Et ben salut tout le monde, c'est Toxic, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Donc en ce moment, un petit flux continu de vidéos, les gars. Mais bon, il y a 7 motos à tester et honnêtement, c'est du lourd. Bon, comme j'ai dit dans les vidéos précédentes, j'ai pas vu vos commentaires parce que tout simplement, ça arrive à la suite. Et on peut pas encore tester la bêta à l'heure où vous verrez ces vidéos. Peut-être qu'on pourra. Mais en tout cas, moi je vais redétailler plus tard chaque moto et essayer de les équiper à fond. Donc là, niveau budget, on commence à remonter dans les prix, les gars. 204 millions. 204 000. Donc c'est énorme. Honnêtement, c'est bon, voilà quoi. C'est The Crew. Donc là, c'est une Ducati Monster 1200S. Donc je vois pas très bien avec le message, mais ça doit être ça. Encore une édition de 2015. Donc on va tout de suite tester. Et là, à mon avis, ça va commencer à monter dans les tours. On a commencé avec la première moto, la petite KTM, tranquillement avec un petit pure cross pour aller se promener dans les chemins montagneux. On a fait la deuxième pour une petite moto de gang pour se balader et profiter avec les potes. Mais là, on passe quand même au level supérieur. Donc là par contre j'ai encore rien essayé. Les deux premières je les avais déjà essayées avant. Ah, elle est vraiment pas mal. En plus en rouge comme ça elle tire, elle donne assez bien. Donc on va passer tout de suite en première. Oh, le compteur j'aime pas. On va écouter le bruit. Ah j'aime assez. On va attendre mieux de l'extérieur le bruit. Je sais pas si quand on va changer l'échappement, si le bruit va changer. Mais honnêtement, regardez en première personne. C'est quand même le pied hein, de rouler en moto comme ça en première personne. Ah, le petit compteur qui monte quand on accélère. On va essayer un coup. Regardez, hop. Quand il est rouge, ce sera synonyme de passer la vitesse. Donc, encore une fois, pour ceux qui jouent en manuel, ça peut être vraiment intéressant. Donc là, on va essayer de la lever un petit coup. Vous avez vu, j'avais pas essayé encore. Ah, et ça donne vraiment en première personne, ça donne vraiment l'impression en tout cas. Moi, je savoure, mais encore une fois, je parle qu'en mon propre avis. Hein. Vous êtes libre de donner vos avis dans les commentaires. Donc voilà, une moto assez stylée, assez légère, qui se lève plutôt facilement. Donc il faut savoir que maintenant, on a des cascades... Voilà, cascade en mode libre, donc ça peut nous faire de l'argent. Et ça peut vraiment être sympa. En tout cas, le positionnement sur la moto, c'est vraiment sympa, vraiment stylé. Donc en tout cas, n'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous de cette vidéo pour donner vos impressions sur cette moto. Moi, elle me plaît plutôt. Honnêtement, elle me plaît plutôt, même si... en fait, tout ce qui est là avant, j'aime beaucoup. L'arrière en noir comme ça et tout, j'espère que ça va être possible de changer. Parce que je trouve pas ça tip top. La petite suspension en dessous de la selle qui passe bien aussi. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo les gars, à la partager. On se retrouve pour un nouveau test de moto. Allez, salut tout le monde.